Au tournant des 18e et 19e siècles, à la fin du règne de Louis XVI et pendant la Révolution, l'Empire et la Restauration, il est un peintre qui, à l'inverse de la tendance dominante de l'époque, décrit de manière singulière et anecdotique la vie parisienne. Ce témoin de son temps, c'est Louis-Léopold de Boilly, auquel une très intéressante exposition est consacrée jusqu'au 26 juin 2022 au musée Cognacq-Jay à Paris. Originaire d'une modeste famille du nord de la France, Boilly arrive à Paris à l'âge de 24 ans en 1785. Il tombe sous le charme de la ville, de son bouillonnement et de ses spectacles. Il ne quittera plus la capitale. Avec humour et dérision, il se met lui-même en scène dans de nombreux autoportraits et joue aussi à s'immiscer dans les scènes de rue qu'il nous propose. Dans un premier temps, il se fait connaître par des scènes de genre, au thème galants ou grivois, ainsi que par de très nombreux portraits. C'est en effet un genre qu'il maîtrise parfaitement et pendant plus de 40 ans, il va produire de très nombreux petits portraits en buste de toutes sortes de Parisiens. Puis Boilly devient en quelque sorte un reporter de la vie quotidienne et il rend compte d'une société en rapide évolution. En s'attachant aux plus petits détails, il prend sur le vif toute la diversité de la vie parisienne. De l'arrivée d'un fiacre à l'effervescence des fêtes, ou de l'agitation des cabarets et des théâtres, il profite du spectacle de la rue pour nous transmettre avec brio sa joie de vivre. Thank you.
Boyi, c'est aussi un esprit curieux, qui est à l'affût des évolutions techniques et des expressions picturales les plus innovantes. À partir de 1823, Boyi crée les Grimaces, une série de caricatures qui seront lithographiées en noir et en couleur. C'est un recueil cocasse et drôle sur les manies et attitudes de ses contemporains. Ses trois fils, Julien, Édouard et Alphonse, furent également des artistes peintres. Son œuvre, qui compte au total environ 5000 portraits et 500 scènes de genre, était passée de mode après la Restauration. Elle est de nouveau appréciée aujourd'hui, notamment pour son intérêt documentaire. Et il faut remercier le musée Cognac-Gé de nous permettre, avec cette exposition, de la redécouvrir.